Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'affiliation et plus précisément de l'affiliation sur Instagram. Alors, comment faire de l'affiliation sur Instagram? Je tiens à préciser que si tu n'es pas prêt à regarder juste cette vidéo jusqu'à la fin, alors le mieux serait directement de zapper à une autre vidéo parce que ça ne vaudrait pas la peine de commencer et ne pas finir ou simplement de regarder cette vidéo en plusieurs coupures, donc déjà sauter. Donc, cette vidéo est élaboré en plusieurs étapes et dans cette étape, donc c'est la suite d'un processus que je te recommande de suivre attentivement parce que c'est en suivant les étapes pas à pas que tu pourras mieux comprendre ces vidéos, la mettre en pratique et avoir les résultats escomptés dont tu désires. Bienvenue également sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Michael Mika et sur cette chaîne YouTube, je partage tout ce qui est astuce marketing, business en ligne. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et en passant, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo, le lien pour accéder à une formation complète sur l'affiliation. Donc tu pourras également trouver le lien au niveau de mon profil growthbusiness.com/débuter-ici. Alors vas-y, inscris-toi et commence ton voyage dans le make money online, commence à générer des revenus. Ok, donc nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est celui de comment générer des revenus passifs sur Internet avec Instagram. Donc, la vidéo est constituée en 6 étapes. Donc, nous allons entrer dans la première étape de cette vidéo. La première étape consisterait simplement à trouver une idée donc de business ou une niche rentable sur lequel tu pourras faire de l'affiliation. Donc, à noter, on peut faire l'affiliation sur plusieurs produits, mais généralement, le bon produit sera le bon qui peut te produire des résultats vraiment concrets. Donc, il est important de se spécialiser là où il y a de la demande et là où il y a plus de la peine, parce que c'est quand il y a de la peine que les gens peuvent sortir la carte bleue pour pouvoir acheter tel ou tel produit. Donc, généralement, les deux niches que moi je recommande à la plupart des temps, des grandes niches auxquelles où tu pourras trouver des sous-niches, c'est par exemple tout ce qui est finance et tout ce qui est paraître. Donc, dans le paraître, il y a par exemple la perte de poids, l'estime de soi, le développement personnel et plein d'autres sous-niches. Donc, et dans tout ce qui est finance, tu peux parler des cryptos, tu peux parler de luxury, tu peux parler de tout ce qui est gagner de l'argent et plein d'autres. Donc sur Google par exemple, nous avons là, j'ai eu à saisir les niches de business les plus rentables. Si nous regardons par exemple cet article de Ross Singer, là il nous propose par exemple 28 idées de business en ligne. Donc nous pouvons voir qu'il y a là la création de blogs. Bon, je vous recommande pas trop la création de blogs, ça prend un peu de temps pour vraiment générer des revenus avec de l'affiliation. Nous avons se lancer en freelancing. Bon, pas trop recommandé dans l'affiliation. Donc, bon, nous avons là idée de business, devenir affilié. Donc, si vous souhaitez déjà gagner de l'argent en affiliation, c'est déjà une bonne idée, mais simplement, ne faites pas de l'affiliation pour gagner de l'argent encore en tant qu'affilié. Donc, le mieux serait de vous spécialiser dans une niche où les gens n'ont pas assez de connaissances en tout ce qui est business en ligne. Donc, à vous de regarder, vous pouvez par exemple lire les sujets, mais ce que je vous recommande plus c'est d'aller dans tout ce qui va être paraître. Donc ça peut être tout ce qui est vendre des produits dans les domaines de rencontres, tout ce qui va être vendre des produits par exemple dans la perte de poids, les affirmations, le développement personnel, loi de l'attraction et tant d'autres. Donc lorsque vous allez vous spécialiser dans ces niches, vous allez vraiment avoir du très bon résultat. Ok, une fois qu'on a identifié sa niche, la deuxième étape consiste à trouver le produit à promouvoir. Donc, il est important d'avoir un bon produit et généralement, bon, les deux, les plus big marketplace des infoproduits sur le marché français, nous avons que ntpe.com et nous avons la marketplace de Sisemayo. Vous trouverez des infoproduits que vous pouvez promouvoir. Donc, il suffirait par exemple de venir seulement entrer votre mot-clé. Je vais par exemple dire affirmation. Nous allons cliquer sur entrer.
Donc, pour regarder de voir les produits qui sont listés dans l'affirmation. Bon, nous avons par exemple le pouvoir des affirmations positives. Le produit est vendu à 7 euros. Et bon, les commissions, vous avez 50% à la vente. Si nous cliquons par exemple là pour voir un peu les statistiques, nous voyons que c'est un livre qui a été listé le 20 février 2023. Bon, le produit n'a encore généré aucune vente. Donc, ce qu'on peut faire, on peut cliquer pour voir la page de vente. Donc, toujours se rassurer que le produit a une très bonne page de vente parce que si vous envoyez votre trafic vers une page de vente qui ne convertit pas, alors c'est un travail vain. Donc, vous ne récolterez rien comme bénéfice parce que la page de vente va simplement cramer votre business comme cela. Bon, vous avez par exemple là attiré l'abondance dans ma vie. Bon, les produits à 5 euros, ça peut être des produits d'entrée, ce qu'on appelle par exemple le pied dans la porte. Donc, toujours se rassurer par exemple que le vendeur propose soit des upsells ou des heures de bombe. Nous avons par exemple là 70% de commission et le prix à 8 euros. Bon, 480 affirmations. Donc, vous allez rechercher votre produit comme cela. On peut retrouver là que c'est un livre électronique listé en 2020 et bon, une seule vente, c'est médiocre. On va regarder la page de vente pour essayer de voir. Donc, déjà là, la page de vente, ça dépend de vous. Donc, c'est ce travail que vous allez faire sur un TPE ou par exemple venir directement sur Système.io en fonction de la niche que vous aurez choisie. Ça peut être peut-être une niche de logiciel. Vous allez simplement, si vous voulez, promouvoir les produits dans tout ce qui est logiciel ou infoproduit ou simplement entrer le mot-clé ici pour rechercher votre produit. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Trouver le produit que vous devez promouvoir. Rassurez-vous d'avoir un bon produit. Donc, qui se vend déjà très bien sur le marché avant d'envoyer votre trafic. Ok, parce que le trafic, nous allons parler jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je pense que c'est la partie la plus importante. Le trafic sur Internet, ce qu'on va appeler, c'est la guerre des nez. Donc, si vous voulez vraiment vendre sur Internet, il vous faut du trafic. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce très simple pour avoir du trafic comme cela gratuitement sur Instagram sans toutefois payer de la publicité ou payer les influenceurs et quoi que ce soit. Donc la troisième étape maintenant serait de trouver un produit à offrir. Donc je vous recommande fortement de toujours donner quelque chose avant d'attendre un retour. Donc si vous ne donnez rien, ça serait un peu difficile pour vous que les gens vous fassent confiance. Et pour cela, il y a ce qu'on va appeler des PLR sur Internet. Donc les produits libres de droit, vous pouvez accéder comme cela gratuitement et offrir également gratuitement. Bon, certains produits ne vont pas vous autoriser le fait d'offrir gratuitement, à moins peut-être que vous offrez pour constituer une liste email. Ça, par exemple, c'est le BIC des PLR sur le marché américain. Donc, les produits ici sont listés, sont en anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez accéder à un produit, bon, prenant dating et relationship dans tout ce qui est rencontre et relations. Donc, vous allez voir qu'il y a des produits qui sont listés. Donc, vous allez simplement, par exemple, regarder ce produit. La date où ça a été listé, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous cliquez par exemple sur ce produit, vous pouvez télécharger le produit. Bon, la version gratuite ici vous donne droit à un seul téléchargement. Ensuite, il faudra que vous payiez. Donc voilà par exemple un ebook peut-être qui apprend comment faire des rencontres, que ça soit bon en ligne. Je n'ai pas trop de connaissances sur le produit, mais ce qu'on peut voir par exemple au niveau des thèmes, on dit vous pouvez vendre ceci, vous pouvez, bon, si on regarde sur ce qu'on ne peut pas faire, vous ne pouvez pas modifier ou changer le produit, vous ne pouvez pas, ok. Donc ce que vous pouvez faire pour moi, c'est récupérer votre produit ici et récupérer un PLR gratuit et constituer votre produit avec. Donc vous pouvez simplement lire le produit ou traduire le produit, créer le vôtre avec. Donc ça peut être faire une petite vidéo pour introduire un peu le concept, parce que le but pour vous, c'est de vendre un produit affilié que vous avez récupéré le lien par exemple sur un TPE ou sur Système.io. Donc il faudrait premièrement que la personne chez qui vous voulez vendre ait déjà un bref aperçu de quoi est-ce que il est question, en fait ce qui va résoudre son problème, parce que vous êtes là pour résoudre des problèmes et pour ce faire il faut connaître, donner un avant-goût, un aperçu
Donc, vous pouvez donner un aperçu. Ça peut être un e-book. Bon, nous voyons là dans la restriction qu'on ne peut pas changer l'e-book. Donc, le mieux serait de prendre l'e-book et d'essayer de faire pour nous avec. Donc, récupérer un peu les idées à l'intérieur, bricoler quelque chose. Ou simplement, vous pouvez prendre l'e-book. Vous traduisez, par exemple, avec Deep ou Google Translator. Donc, vous traduisez l'e-book. Vous la lisez maintenant en anglais en faisant peut-être quelques séries de petites vidéos. Et comme cela, vous offrez gratuitement. D'où maintenant le fait d'offrir gratuitement nous fait introduire cette étape maintenant qui est la quatrième, qui est la plus importante également, donc suivie de la troisième. La quatrième serait de créer ce qu'on va appeler une page de capture. Et en passant, j'avais oublié, si vous avez besoin d'un produit directement à offrir comme cela et vous constituez par exemple des listes email ou commencer à vendre, donc je vous ai également préparé ce pack de formation sur le marché français, ces 27 formations libres de droit. Vous pouvez accéder à ces formations, offrir une petite partie, si vous êtes dans le Make Money Online, tout ce qui va être business, développement personnel et tout, autant pour moi, business, gagner de l'argent en ligne, affiliation, ce produit vous convient. Il est 100% français, donc vous pouvez accéder et revendre, garder pour vous des bénéfices. Ou simplement donner une partie du produit gratuitement et pour vous constituer une liste email et vendre la suite. Ok, la quatrième étape consiste à vous créer un tunnel de vente ou une page de capture. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine. Vous trouverez le premier lien dans la description de cette vidéo qui va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir dans tout ce qui est création de page de capture, tunnel de vente sur système IO, en fait tout ce que vous devez savoir pour débuter dans l'affiliation. Donc si vous venez sur ce site, vous allez seulement cliquer sur créer un tunnel. Bon, pour nous par exemple, si vous ne voulez pas vendre parce que dans l'affiliation vous ne vendez pas, pour vous c'est vous constituer une liste email dans le but d'envoyer du trafic dans vers la page de vente que vous aurez choisi, tel X ou Y produit. Donc on va cliquer sur créer un tunnel et ici nous allons prendre plutôt créer une audience parce que nous n'allons pas vendre, nous allons juste récolter les emails, les envoyer quelque chose de gratuit et après leur proposer maintenant ce qui est payant. Donc vous allez simplement cliquer sur créer un tunnel. Vous allez par exemple mettre le nom du tunnel. Je vais mettre démo, le prix. Bon, la devise sera en euros. Ok, bon, il y a une petite erreur. Je ne sais pas le pourquoi. Donc une fois que vous avez créé votre tunnel, je prends par exemple ce tunnel que j'ai déjà ici. Je pense c'est parce que j'étais déconnecté. Je vais me connecter à nouveau. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur créer un tunnel de vente. Vous allez mettre le nom du tunnel et vous allez cliquer sur choisir créer une audience et vous allez cliquer sur sauvegarder. Bon, je mets la démo. Là, on peut cliquer sur créer un tunnel, mais nous n'allons pas créer de tunnel. Je vais prendre par exemple ce tunnel de vente que j'ai sur System.io. Bon, une fois que vous avez créé votre tunnel, vous pouvez prévisualiser par exemple votre tunnel comme ceci. Bon, là c'est un tunnel pour notifier les gens des nouveaux produits listés sur System.io. Donc vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo et si vous avez besoin de ce tunnel pour envoyer du trafic et commencer à vous générer des revenus, alors faites-moi savoir, je partagerai le tunnel avec vous. Donc une fois que vous avez créé votre tunnel, vous allez simplement cliquer ici pour copier le lien. Donc d'où maintenant ça nous fait entrer la même étape de cette vidéo qui est celui maintenant d'ajouter votre lien de tunnel à votre compte Instagram. Donc sur Instagram maintenant, une fois que vous avez créé votre compte, bah notez, l'ajout des liens n'est pas disponible sur PC, il faudra que vous connectez sur votre téléphone. Vous pouvez voir par exemple dans la description de mon compte Instagram ici, j'ai ajouté par exemple là ma mini formation sur l'affiliation. Donc lorsque les gens cliqueront, ils pourront s'inscrire et avoir quelques petites notions en affiliation comme cela. Donc une fois que vous avez votre lien de tunnel ici, vous allez simplement copier le lien et venir maintenant ajouter dans votre compte Instagram. D'où maintenant la partie la plus cruciale est celui de générer du trafic. Donc le trafic, comme je l'ai tantôt dit dès le début de cette vidéo, c'est la guerre des nerfs. Bon, pour générer du trafic sur Instagram, vous pouvez par exemple utiliser Canva pour créer des carousels, télécharger ces carousels et venir par exemple les ajouter sur votre compte Instagram.
Par exemple, voici un carrousel que j'ai eu à créer. Donc, vous pouvez voir six critères sélectifs pour bien choisir sa plateforme d'affiliation. Donc, si je clique là, ça va me dire, bon, la partie 1, vous allez par exemple aller dans la fiabilité de la plateforme 2 et ainsi de suite. Bon, ça sont les étapes les plus basiques, mais je vous ai trouvé un produit directement qui va vous faire aller directement droit au but. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, ce qui cartonne le plus sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ce sont les reels. Donc, les reels, c'est le format de contenu le plus consommé aujourd'hui, les reels. Font en moyenne moins d'une minute, et pour cela j'ai trouvé un produit par exemple sur internet qui va vous permettre de générer directement du trafic comme cela, du trafic brut dans les 24 heures qui suivent. Donc c'est un produit qui coûte 79 €. Vous avez droit à 2000 vidéos dont virales de réel que vous pouvez accéder dès maintenant, et voilà par exemple un aperçu des vidéos. Dans la vidéo, nous avons la catégorie business, donc c'est vraiment recherché. Il y a énormément de demandes dans ce marché. Nous avons luxury, motivation, vidéo satisfaction, immobilier, voyage, bien-être, spiritualité, nature, lifestyle. Donc voilà par exemple un peu un aperçu de cette vidéo. Donc ce que vous avez à faire, c'est d'accéder simplement à ce pack de 2000 vidéos et plus. Et une fois que vous avez accès à cela, ce que vous aurez à faire, c'est simplement télécharger une vidéo, ajouter simplement votre logo à la vidéo et uploader directement comme cela sur votre compte Instagram. Ce qui fera que lorsque Instagram va aimer votre contenu, Instagram va proposer votre vidéo à un maximum de personnes, et ceux-là viendront par exemple sur votre compte pour regarder et y trouveront un lien. Donc le but ici, c'est que lorsque les gens vont cliquer, ils vont entrer leurs adresses email qui vont entrer dans votre tunnel de vente, et ensuite dans votre tunnel, vous allez leur proposer quelque chose un peu de gratuit. Donc ça peut être un pack de formation, donc par exemple comme celui-ci, vous pouvez offrir par exemple les débuts de la formation, la méthode pour démarrer un business en affiliation en partant de zéro. Vous pouvez offrir 2-3 vidéos, pas tout, parce que vous êtes là pour générer des revenus, pour gagner de l'argent en affiliation. Une fois qu'ils ont suivi le début de la vidéo, alors ils seront simplement redirigés, ou vous allez les rediriger par des séquences par exemple d'automatisation d'email vers un produit que vous aurez récupéré au préalable sur système IO ou sur un TPE. Donc voilà un peu tout cela. Si vous suivez toutes ces 6 étapes à la lettre sans manquer aucune, vous allez générer des revenus sur internet avec Instagram comme cela de façon pratique, fiable, et vous allez vous faire des revenus passifs sur internet. Merci de m'avoir suivi, c'est Mickaël Mika. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est très important. Mettez-moi également un petit pouce bleu à cette vidéo, et donnons-nous rendez-vous dans les prochains tutoriels, parce que du concret, du meilleur reste à venir. Let's go.